It's time to get things started on the most sensational, inspirational, celebrational, motivational. This is what we call a Muppet Show. Eh bien, bonjour à tous. Je vais refaire une petite démo sur les accords. Pour préciser certains trucs, hein, parce que j'avais survolé dans mon numéro 1. Pour les accords, donc faut toujours se servir du livre, comme moi je le dis, parce que je ne connais aucun accord. Je les apprends par cœur pour les placer sur le manche. Je vais vous filer quelques plans pour connaître pratiquement tous les accords sans se faire chier. Ok, un exemple, le mi. Mi majeur. Regardez sur le bouquin. Je vous détaille pas, hein, je vous mets que les notes. Alors le mi, si vous voulez connaître les accords qui suivent le mi sur le manche ici, pas de problème. Mon mi, au lieu de le faire avec ces trois doigts là, voilà, mon mi il sonne comme ça parce que ici j'ai le sillet de tête, ce qui équivaut à un barré. Le sillet de tête équivaut à un barré. Si je veux un fa, fastoche, j'ai même pas besoin de mon livre. Je fais mon mi comme ça, je me libère celui-là. Ok. Donc si je veux un fa, j'avance d'un demi-ton ici. Bon, ça fait espagnol, hein. Ok, donc j'avance mes doigts ici d'une case et mon barré qui équivaut à mon sillet de tête, je le pose là. J'ai mon fa, le mi, le fa, le sol, le la, le si, do, et ainsi de suite. Alors ça marche partout aussi. Par exemple, je veux faire un do, do. Do majeur. Regardez sur le livre, hein, Do majeur, je vous détaille pas. Hein. Le Do majeur sonne comme ça parce que ici, j'ai le sillet de tête qui équivaut à un barré. Si je veux un Ré, je libère mon doigt. Donc, ça, j'y arrive pas bien, hein, par contre, hein, les trucs comme ça. Mais bon, je vais essayer, mais ça, j'y arrive pas bien. J'ai mon Do. Si je veux un Ré, eh ben, je décale de deux cases mon Ré. Mais il faut mettre mon sillet de tête. Et je mets mon... Voilà. Ouais, j'y arrive pas, hein, je vous dis franchement ça. J'ai mon Ré. Le Mi, pareil. Le Fa. Le Sol. Le La. J'y arrive pas, hein, moi j'ai les... Vous savez que j'ai de l'arthrose dans les doigts, il y a des accords, je peux pas faire. Donc, tout marche, sillet de tête, Alex. Le Ré qu'on connaît ici. Le Ré sonne comme ça parce que toujours j'ai le sillet de tête ici. Si je veux un Mi, je décale d'une case. Même comme ça, c'est joli. Mais je mets mon barré. Alors c'est pareil, je pars sur le Ré initial, je me libère ce doigt là je fais un Mi, je fais ça et je mets mon barré. J'ai un Mi, le Fa. C'est des accords que je maîtrise pas, ça, hein. C'est juste pour vous montrer la technique. Si vous cherchez des accords, voilà. Le sol. Le sillet, là, vous le remplacez par votre doigt. Mais moi, j'aime mieux faire ça. C'est pour connaître plein d'accords juste en déplaçant sur le manche en rajoutant ce doigt là. Donc j'ai vu le Mi, j'ai vu
mineure. La mineure, par exemple, ou la majeure. Pas grave. La mineure. Je vais prendre en mineure, c'est plus facile pour moi, mais c'est le même principe. Le La mineur, il sonne parce que toujours j'ai mon sillet de tête. Si je veux un Si mineur donc, je monte d'un ton. Si mineur, c'est ça. Mais ça sonne pas parce que je n'ai pas ça. Je libère mon doigt. Voilà, La mineur. Si mineur. Do mineur. Ré mineur. Bien penser que vous pouvez faire en partant d'un accord vers le sillet, vous pouvez connaître tous les accords en libérant ce doigt là qui vous fera le barré. Mi, alors mi, on reprend hein, le mi. Yeah. Le do, do, hop, je fais ça, je libère mon doigt, do, ré. Le Ré ici, hein, c'est celui-là que j'arrive le moins. Le Ré, le Mi, le Fa, oh là là, voilà, et La majeur ou La mineur. Là, je vais faire un La majeur, donc le La majeur. J'ai mon doigt libéré. Si je veux mon Si, eh ben, je fais ça. Dans mon Si, moi, je le fais comme ça. Je barre, et là, parce que j'ai les doigts qui vont pas bien. Mais normalement, c'est position comme ça, le La. Moi je préfère faire ça moi. Ok, donc ça c'est déjà un plan pour connaître un maximum d'accords avec le minimum de choses. D'autre part, il n'y a pas 100 000 accords. Quand vous commencez à jouer, faut vous entraîner à passer des accords. Alors, je prends un accord, on va dire le Mi mineur, avec un Do. Comment je pourrais vous expliquer? Alors, essayez pas de... Comment je pourrais dire là, j'ai vu un copain là qui commence la guitare. Alors, quand il est sur le Mi mineur et qu'il entame le Do, alors en premier il place celui-là. Il place doigt par doigt. Voilà. Il perd beaucoup de temps. Alors moi ce que je dis, c'est qu'il faut connaître vos accords par cœur. Que vous les mémorisiez, les schémas des doigts, c'est-à-dire, voilà. Moi, c'est-à-dire que quand je suis en Mi mineur, si je vais en Do, mes doigts sont placés tout de suite. Je fais pas doigt par doigt. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Alors, essayez de mémoriser le Mi mineur tout de suite, moi. Tout de suite, quand je parle du Do Ré, je sais que le Ré va se placer comme ça, je sais que le Do va se placer comme ça. Le La mineur, c'est une question d'entraînement et votre cerveau, comme déjà moi j'en ai très très peu de cerveau, j'arrive à mémoriser, donc je pense que vous, ça va aller très très bien. Donc bien mémoriser, donc commencez par deux accords au départ, par exemple le Mi mineur, le Do. Aller de plus en plus vite, mais il faut travailler quand même, hein, je veux dire. Et avant d'enchaîner, quand vous commencez à jouer, avant d'enchaîner quatre accords que vous connaissez pas bien, je pense que commencer à bosser deux accords, comme ça, et quand les deux accords, vous les maîtrisez bien, en plaçant vos doigts sur le manche, passez à deux autres accords, par exemple le La mineur et le Ré. Alors, La mineur, pareil, toujours, hein. Et vous bossez comme ça. Et une fois que vous maîtrisez
ces accords-là, ben, vous faites... Je vais mettre un petit peu comme ça, on va demander de voir ma main droite. Alors. Vous voyez, hein, moi, les accords, quand je remonte... Bon, alors, quand vous changez les accords aussi, c'est pareil. Ne décollez pas la main trop du manche. Ne faites pas ça, si vous voulez. No good. Voilà. Prenez, essayez de mémoriser en faisant des schémas avec vos doigts. Vous voyez, pour moi, ça, quand je fais ça, je sais que c'est un ré majeur. Quand je fais ça, je sais que c'est un do majeur. Comme ça, c'est un mi mineur, un la mineur, pardon, et un mi mineur. Alors, vous prenez votre bouquin. Et vous emmerdez pas, hein. il y a 50 millions d'accords pour jouer à la guitare. Suivant le style que vous voulez, vous prenez que ceux qui vous intéressent. Hein. Moi, j'en connais trois, hein. Je fais du rock. Par contre, si vous voulez faire du jazz, ou là, il va falloir bosser les mecs. Hein. Mais de toute façon, même du rock ou du jazz, la guitare, c'est minimum une demi-heure par jour. Une demi-heure par jour. Si vous la prenez le lundi... Et après, vous la touchez seulement le mercredi en 8, en 10, en 12. No good, vous n'y arriverez pas. Tous les jours. Alors peut-être avec un jour de repos mieux, mais tous les jours, une demi-heure. Une demi-heure minimum. Si c'est plus, tant mieux. Alors les accords, on a vu ça. Quoi dire encore sur les accords, c'est juste un complément hein, que je vous fais aujourd'hui pour vous donner des plans. Donc on a vu ça. Par exemple, knocking the window. Il n'y a pas beaucoup d'accords là-dedans. Ça fait sol, ré, do. C'est l'intro, ça. Sol, ré, do. Voilà, intro. Quand il commence le chant. Super belle chanson quoi, hein, c'est pas la peine d'avoir des ok. Donc ça c'est mon avis hein, mais de toute façon chacun trouve midi à 14h, non, chacun trouve la porte à midi non plus. Vache qui pisse n'amache pas mousse, c'est pas bon. Pierre qui roule ne sert pas à couper le beurre. Il y a plein de proverbes comme ça, bref, on verra ça plus tard. Donc ben voilà, c'était juste un petit complément de comment travailler vos accords à la façon papitum. Quoi vous dire d'autre? Je sais pas. Là, je vais couper, puis si j'ai d'autres idées, je me gratte le nez. Hein, je me gratte le nez. Si j'ai d'autres idées, je reviens vers vous. Eh ben merci les petits loups, et à bientôt, Rock'n'Roll Man. Ouais, c'est tout ce qu'on avait vu en accord. Voilà, allez, salut, à plus les petits loups. Au revoir, au revoir.